Hey, salut tout le monde, c'est M5 et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Eh ben, c'est tout simplement ma deuxième aventure solo. Enfin, une aventure solo. Série solo. Parce que ça va être une aventure aussi. Mais comme vous l'avez vu, c'est sur Minecraft. Coucou. Voilà, c'est sur Minecraft. Donc, j'avais envie de faire une série sur Minecraft, tout seul, parce que c'est un jeu que j'aime bien. Et que j'avais envie de, voilà, de vous proposer ça. Maintenant, en quoi ça va consister? La question qui tue. Eh ben, en tout, en rien, en quelque chose, en gros, je vais démarrer une map et je vais faire ce que j'ai envie, en gros, c'est tout. Et puis je vais me filmer. Il n'y a pas de but précis, pas d'objectif, juste faire et essayer d'exploiter un petit peu toutes les possibilités que peut apporter le jeu. En gros, je vais entre guillemets éplucher le jeu. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, donc on va démarrer tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. World name. Comment on va l'appeler? Je sais pas. Voilà. Très bien. Game Mode Survival, c'est très bien. Alors, ici. Seed. Bah, on va l'appeler. Je sais pas. Non, on va rien mettre. Pas besoin. Et tout ça. C'est bon. Ouais. Tac, tac. Ouais, tout est bon. Donc on va démarrer. C'est parti. J'avais déjà fait des tests tout à l'heure et ça laguait un peu. Enfin, ça laguait. Ça déconnait un peu. Ah, ça c'est joli. On arrive dans un biome qui est joli. Avec un océan à côté. Bon, ça c'est peut-être pas forcément le mieux. Il y a du sable. Oui, je regarde. Je suis très soucieux de dans quoi je... J'atterris. Faut attendre que les chunks chargent un petit peu. Ouais, je suis dans une forêt quoi. Avec là un lac, nanana. Un biome désert ici. Ouais. Alors, ce qui concerne mon skin, je vais déjà en parler. C'est pour. Je l'avais mis parce que je m'en sers. Mais pour autre chose. Donc, je vais pas l'expliquer maintenant et je vais le garder. Et si besoin, je changerai de skin. Voilà. J'ai pas de skin prédéfini de toute manière. Donc, pas de soucis. Par là, ça évolue comment? Ouais. Bon, il y a pas mal d'arbres. C'est un peu galère. Bon, je vais faire une petite coupure dès le début, histoire de récupérer un peu de ressources et de choses comme ça, et de m'établir. Puis je vous reprends après. Avec un minimum de choses. Sur moi, à tout de suite. Alors, j'ai tapé un peu quelques arbres. J'ai pas pris énormément de bois, hein. Voilà, je récupère les pousses. On va s'en servir pour faire cuire des trucs. Et j'ai fait un pseudo-abri. Avec un coffre, un four et une table de craft, mais c'est tout. Ça, on va la mettre là. On va tout de suite partir à la recherche de charbon, en espérant en trouver rapidement parce que je sens que la nuit va pas tarder. Oula. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je suis plutôt content du biome. Il est bien. Ouais. Par contre, il faudrait que je trouve un début de caverne. Ce serait intéressant. Histoire d'avoir quelques petites ressources, mais si même un peu de fer. Et je vais essayer de faire gaffe à partir trop loin non plus. Oh, des citrouilles. Ouais. Enfin, si on veut. C'est pas que ça va me servir à rien, mais. Un peu si quand même. Partir trop loin. Ah voilà. Ce que je cherche. J'ai pas de torche. Faudrait juste du gravier en fait. Attention, obscurité. Surtout, je vois pas grand chose non plus. Putain. Non, 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 ce sera pour plus tard. Oh putain. Ouf. Je bouge, je me casse, c'est bon. Ah. Oh putain, il me suit le con là. Ah, ah. Non, faudrait mieux pas commencer par une mort prématurée comme ça. De ce côté-là. Gravier. D'accord. Super.
Bon, le biome est sympa, par contre, il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. Non, j'aimerais bien du charbon, s'il vous plaît. S'il te plaît, Notch, donne-moi du charbon. Je veux pas. Hein. Quel connard. Voilà, déjà ça commence bien. On arrive, on démarre, il n'y a absolument pas de charbon. On ne peut pas trouver de charbon. C'est juste impossible. Je vais passer ma première nuit dans le noir, surtout que j'aurais aimé trouver aussi des moutons, histoire de me faire un lit et pas me faire chier à rester dehors comme ça. Putain. Oh putain. Et voilà, c'est parti, il va commencer à faire nuit. Et j'ai rien. Et j'ai rien. Et j'ai rien. Et putain. Ah. J'ai tué les poulets, histoire d'avoir un minimum de nourriture. Charbon. 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 Il n'y a rien. C'est dingue. Faut de ma gueule là. Faut rater les mecs. Ça, on va prendre un besoin. Faut trouver du charbon, s'il vous plaît. Pas aller là. Les cochons. Ça génère pas mal de chunks là. Et je vois pas mal. Enfin, allez. Les mobs avant. On va voir si ça peut m'aider, mais enfin. Pas tellement là. Bon, voilà, j'aurai assez de bouffe. Je pense. Putain. Ah. C'est pas terrible. Tout ça. Ah. Petite esquive. On va rentrer. Et on va se faire du charcoal, hein. Rien d'autre à faire, mais j'aurais voulu éviter ça. Et surtout qu'on va passer une nuit dehors. Eh ouais. Eh merde. Bon, alors. Ah, ça y est, je peux plus. Je ne peux plus courir. Très bien. Oh non, non, non. Putain. Ah, fais chier. Voilà. Je vais m'emmerder. Non, on ne peut pas. Oh merde, putain, faut des bûches. Oh. Casse les couilles. Oh mais non. Si je fais cramer ça, ça ne donne pas des. Oh putain, non. Bon. Et bah ça va être grosse ellipse, le temps qu'il fasse jour et le temps que bah se passe quelque chose en fait, parce que là je peux rien faire. À tout de suite. Nous nous retrouvons, c'est l'aube, les monstres meurent, commence à faire jour. Oui, j'ai passé toute la nuit ici. Bon, j'ai fait autre chose en attendant. Hein. Pourquoi il y a un zombie ici? Oh putain, j'ai pas d'épée. Je vais faire une épée vite fait. Une araignée qui peut passer là. Hop. Tac tac tac. Oui, en plus j'ai pété ma table de craft. Je fais ça vite fait. Des bâtons. J'ai plus de balles. Une petite épée. J'ai plus rien. J'aurais évité de mourir en fait. Ce serait cool. Si je ne mourrais pas. Enfin voilà après. Oh putain, c'est une araignée. Du coup le zombie. Ah oui non, il a peut-être été affaibli, effectivement. C'est possible. Bon, j'ai plus qu'un cœur, plus qu'une barre de faim, c'est la misère. Donc on va s'empresser de récupérer de la bûche. Et de faire du charcoal pour pouvoir faire cuire de la bouffe. En fait je vais. Tout simplement. Oh merde, attends, je crois que je. Oh le débile. Oh le débile, ça marchait. Oh mais qu'est-ce que je suis crétin. Stupidité la plus absolue. Alors là, j'ai attendu une nuit entière alors que. Bon, j'aurais quand même attendu une nuit entière, mais. Ah, j'ai plus de faim. Oh putain. Vite, 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 je veux pas mourir. Mange. Ah bah donc.
C'était moins une, comme on dit. Bon. Ouais, non, là, il va pas se régénérer. Voilà. Tac, tac, tac. On va continuer notre recherche active de charbon. Attends, j'ai une épée. Il y avait la caverne là-bas tout à l'heure, mais c'était un petit peu... Un petit peu le repas de famille avec tous les squelettes. On va éviter. Attends, je te tue, je m'en fous. Faudra des vaches. Parce qu'on va faire des enchantements. Et pour les enchantements, maintenant, les livres, il y a besoin de... De cuir. Parce qu'on est en 1.3, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes en 1.3. Et donc, bah, il va falloir du cuir, donc il va falloir des vaches. On se fera un petit enclos sympathique. Avec plein de vaches toutes mignonnes. Ça va être génial. Je vois de la stone là. Pas un peu de charbon qui se balade pas loin. Il n'y a rien. Map de merde. Ça commence bien. Hein. Ça commence bien. On passe une première nuit à ne rien foutre et à attendre. Au final, bon, les chunks mettent beaucoup de temps à charger. Du coup, je vois toutes les cavernes. C'est rigolo. De l'eau. Super. Super, je voudrais une caverne. S'il vous plaît, ou du charbon, juste du charbon. Oh là là. Compliqué, hein. C'est très compliqué. Ah putain. Putain, putain, putain. Alors. Je remonte là. Je pourrais éventuellement faire du charcoal, mais bon voilà quoi. J'aimerais bien trouver du vrai charbon, du vrai joli charbon bien joli. Ça me semble difficile. Là, je regarde encore 2 minutes. Je finis mon tour. Si j'ai rien trouvé, on se fait du charcoal. Parce que là, je commence à en avoir vraiment marre. Rien là. Y a rien du tout. Mais c'est incroyable ça. Voilà. Tac, je récupère ça. Ah, coucou mon ami. Pas grave. Tu m'as pas fait de dégâts donc je m'en fous. J'aurais bien aimé le tuer quand même. Alors, encore un petit coup d'œil ici. J'espère que ce sera fructueux ce coup d'œil. Enfin, j'y crois même plus quoi. C'est terrible. C'est terrible. Mais vraiment, c'est terrible. Mais là, on se balade et puis il n'y a pas de charbon. Hein? Alors. Récupère ça, au moins, on aura de la canne à sucre. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse le plus pour le moment, quoi. Bon, bah. On va rentrer. Il y a une caverne, on y retournera plus tard avec des torches. Ouais, on fera ça. Et je vais balancer stuff. Pouh, rien du tout. Tant pis. C'est beaucoup de temps à charger les chunks là. Un peu chiant. Alors, on va faire cuire tout ça. Faire quelques torches et aller explorer cette caverne qu'il y a là-bas. Récupère encore un petit peu de bois. C'est toujours ça. En plus, on a de la bouffe. Enfin, un peu de bouffe. On en a même un petit peu plus. Hop, voilà. Avec des plumes, c'est toujours ça. Tac. Ouais, ça me fait 8 torches. C'est pas le mieux. Mais bon, ça va me servir. On va aller commencer cette petite caverne qu'on avait vue tout à l'heure. Histoire de trouver un peu de fer, mais je vais pas m'attarder non plus trop longtemps sur la caverne. Pareil, je ferai une ellipse. C'est pas le plus important. On va pouvoir descendre comme ça et me balader dans les grottes. Je pense qu'il y a mieux à faire. Donc ça, je le ferai pareil hors vidéo et
On essaiera de faire autre chose. Un peu plus intéressant. Elle était où d'ailleurs cette caverne? C'est par là je crois. Je sais même plus. Je ne sais même plus. Je me dis que c'était plutôt par là. Plutos. Oh, Plutos. J'avais des mots moi. Là il y avait le bout de gravier, je me souviens. Mais après pour la caverne. Ah, elle était de l'autre côté des. Des citrouilles. Oui, je me souviens. Voilà, c'est là. C'est là, c'est là. Allez. Tous les squelettes ou pas? Éclairons un peu. Bon, y'a rien. Du charbon. Ah ah ah. Bonté gracieuse. Ah oui. Bon, une impasse de toute manière. Pas intéressant. Oui, parce que maintenant le. Les minerais. Style charbon, redstone, diamant, émeraude, lapis donne de l'expérience quand on les mine. Donc voilà, ça fait un petit peu d'XP. Toujours sympathique. Je vais mettre sur du fer, il n'y a absolument rien. C'est extrêmement pauvre en caverne. C'est assez chiant. Et là, je suis en train de vous proposer une partie de Minecraft extrêmement chiante aussi. Miner du charbon. Ouais. Bon, j'en ai 24. On va pas cracher dessus. C'est très bien. On fera des torches. Et bah. Je vais retourner à l'abri. Je vais faire une petite pause histoire de voir à combien de temps on en est en vidéo. Et. Et puis je vais voir en fait. Je vais. Analyser selon ce temps. Récupérer une citrouille au passage. Je n'y vois plus rien. Bref, allez, à tout de suite. Et donc nous revoici à l'abri. J'ai fait quelques torches. Enfin plutôt pas mal de torches. Et je me suis aperçu que l'épisode ne faisait que 17 minutes. Donc on va ressortir. Et on va aller essayer de trouver une nouvelle. Enfin de trouver une caverne. Putain, j'en ai marre. Oui, je sors de nuit. Je suis un warrior, je n'ai peur de rien. Avec mon épée en pierre. Et un Enderman. Bon, je vais pas aller me frotter avec l'Enderman maintenant. La course aux Enderman plus tard. Bah, avancer vite. Ah, squelette. Voilà, j'avais pas envie de ça. Vite. On va aller par là-bas. Je pense que ce sera peut-être intéressant de se rendre par là-bas. Pas mal de monde. Le comité d'accueil, comme on dit. Hop. Caverne, s'il vous plaît. Ça met vachement de temps à charger. Il faut savoir que je fasse quelques vérifications de mon Minecraft. Parce que là, c'est un peu chiant en fait. Ouais, c'est juste chiant. Ça fait des gros trous, c'est très moche. Surtout pour un premier épisode, ça le fait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par ici, on a du zombie. Une araignée qui en veut à ma peau. Ah, vite, je fonce. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait y avoir une putain d'entrée de caverne. J'en ai marre. C'est relativement chiant à chercher ça. Surtout qu'il n'y a rien. On va finir là-dessus. Rien du tout en fait. Je suis extrêmement malchanceux. Je ne sais pas votre avis mais. Moi je trouve. C'est quand même terrible ça. Y'a rien. Y'a rien du tout. C'est un biome désert entier sans rien. C'est terrible. Bon. C'est quoi ça? C'est de la lave. Ouais, c'est pas comme si je m'en foutais. Putain non. Ah. Voilà. Bien. Super. Magnifique. Où est-ce que je respawn? Où est-ce que je suis? Là, d'accord. On va essayer de retrouver ce. J'y pensais en fait, je me suis dit, faut peut-être pas trop que je m'approche. Et l'araignée, je l'ai vue, elle va me pousser. Bah, ça a pas loupé. Coucou le creeper. Ouh, il y en a beaucoup là. Eh bah, écoutez, voilà. Première mort. Premier épisode, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un lag, on s'en fout. Bon, je sens que t'as la moitié de mes affaires qui.
qui ont cramé. La lumière, voilà. J'ai retrouvé mes affaires. Pas trop rapide, pas trop vite, pas trop vite. Petite chose, voilà. Je vais attendre un peu. Le creeper. J'ai pas mon épée, non, j'ai pas pris mon épée. Je vais essayer de te faire exploser. Voilà. Je vais prendre des dégâts, mais au moins c'est plus rapide. Tac, 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 tac. Il y avait un truc là, voilà. Mon épée. J'ai plus d'épée? C'est que ces conneries là. Oh putain, mon épée a cramé. J'ai plus rien. J'ai plus de torche en plus. Ah oh là là, misère. Ça me saoule. Bon, alors. Je pense qu'en fait, je vais rentrer. On va terminer l'épisode là-dessus. Et on va reprendre un nouvel épisode un peu plus tard. Avec un minimum de choses faites. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais vraiment. Hein. Voilà, on va faire ça. Un minimum de choses, un minimum de... Qu'est-ce que tu fous là, le creeper? J'en ai un autre là. Vas-y, pète. Voilà. Pète, bien. Merci. Pas d'autres monstres. Vous m'avez pas vu là-bas. Tac, coucou. Je ferme. Voilà, donc on va s'arrêter pour ce premier épisode. C'était totalement du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. Voilà, c'est le mot. Donc on va se laisser. Et bah, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2. Avec un minimum de choses faites. Parce que là c'est... voilà, vous avez compris. Allez, ciao tout le monde. Et à la prochaine. Salut !